Bonjour, je m'appelle Annie Ross, je suis professeure de génie mécanique à l'École polytechnique et je suis spécialisée donc dans le domaine des vibrations et de l'acoustique, principalement appliquée dans le domaine du transport. On s'en va de plus en plus vers les matériaux composites. Les matériaux composites sont beaucoup plus légers. Ces structures-là sont plus légères que les structures traditionnelles métalliques, mais elles sont soumises à des plus grandes charges de vibration. Et donc, c'est un problème pour lequel la recherche fondamentale est nécessaire, ainsi que la recherche appliquée. La recherche fondamentale visant à comprendre les problèmes et la recherche appliquée visant à les résoudre. Je travaille sur un projet qui s'intitule l'holographie acoustique en champ proche pour des signaux en régime transitoire. Alors, l'objectif du projet, c'est de développer une méthode qui permet d'imager le son en trois dimensions dans le cas de bruit d'impact. On voit ici qu'on a une ligne de microphone qu'on peut translater afin d'enregistrer le niveau sonore sur un plan parallèle à notre source, donc parallèle à la plaque. Et la particularité de la méthode qu'on a développée à l'École polytechnique de Montréal, c'est qu'on peut imager des sons qui ne sont pas stationnaires, c'est-à-dire qui ne sont pas périodiques dans le temps, comme par exemple des impacts sur des plaques. Notre impact est généré et on voit le front d'onde qui se propage dans l'air et puis les fronts d'onde en haute fréquence qui sont dus à la propagation du son dans la plaque. Si je frappe sur la plaque, on ne le verra pas, mais la plaque va se mettre à onduler comme ça. Et en ondulant, elle va occasionner des variations de pression juste au-dessus et en dessous de la plaque. Et c'est ces variations de pression-là qui rayonnent. Et c'est ce bruit qu'on entend. Donc là, les deux sont tout à fait liés, la vibration et le son qui est rayonné. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est réduire les vibrations, à la fois pour protéger la structure de la fatigue due aux vibrations, mais aussi pour réduire le rayonnement du son. Ce qu'on cherche à faire, c'est à contrôler un peu mieux toutes ces ondes-là qui sont mécaniques ou sonores pour, d'une part, améliorer le confort des utilisateurs, mais aussi pour améliorer la durabilité de l'équipement. On sait que les vibrations, ça occasionne à la longue de la fatigue dans les équipements et évidemment, la rupture peut s'en suivre, ce qui n'est vraiment pas souhaité. Avec la motorisation, avec une interface utilisateur plus agréable, mm-hmm. on aurait un produit qui serait plus accessible, plus facile à utiliser pour les futurs étudiants qui travailleront sur le projet aussi. Là. Oui, et éventuellement pour les partenaires industriels qui seraient intéressés à s'en servir et à le tester chez eux. Autre chose qu'on peut faire, et tu en as déjà montré une ouverture, c'est d'utiliser un système comme celui-ci pour qualifier, par exemple, soit des systèmes audio, des haut-parleurs de grande qualité lorsqu'ils sont vendus. Ils peuvent être qualifiés grâce à un système comme celui-ci pour montrer au client potentiel, à l'acheteur, que la répartition du son du haut-parleur est de très bonne qualité. Ou encore, dans le même ordre d'idée, pour des instruments de musique qui seraient aussi de très grande qualité, le rayonnement de ces instruments-là pourrait être qualifié de la même façon avec un appareil comme celui-ci. Exactement. C'est quelque chose. Moi, ce que j'aime bien chez mes étudiants, comme Jean-Michel, par exemple, c'est qu'ils ont leur propre bagage de connaissances, ils ont leur propre background. Celui de Jean-Michel est différent du mien et on se complète sur les travaux de recherche parce qu'on a des visions complémentaires et c'est ça qui fait que ça fonctionne. J'ai toujours été curieuse de nature. Ça date de ma petite enfance. J'ai toujours eu plein de questions. J'ai toujours voulu tout savoir, à tel point que parfois, ça pouvait même irriter mes parents. J'ai souvent entendu mon papa me dire « Annie, tu poses trop de questions ». Alors aujourd'hui, j'ai des questions et
j'ai les moyens d'y répondre. On fait de la recherche pour ça, parce qu'on est curieux, parce qu'on a envie de savoir, parce qu'on a envie de développer et aussi parce qu'on a envie de partager nos connaissances. Et c'est important.